tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on découvre le playtest de Technotopia, un jeu de gestion stratégie puzzle roguelike dans lequel on construit une ville du futur. On construit celle-ci bâtiment par bâtiment, chacun a son type, ses effets et peuvent fusionner avec d'autres bâtiments. Il faut construire cette ville en maintenant le budget à un bon niveau car sinon une catastrophe se déclenche. Mais ce n'est pas grave, si vous perdez, il suffit de recommencer, vous gagnez de l'XP et vous pouvez débloquer de nouveaux bâtiments qui peuvent vous donner un petit coup de main. Le playtest est actuellement en route sur Steam, vous pouvez vous y inscrire, je crois que vous êtes accepté normalement directement, donc vous pouvez le tester vous-même, mais on va le découvrir tous ensemble, vous êtes prêts? C'est parti! Voici notre ville, elle est composée de blocs, de quartiers, la plupart sont vides et on peut y construire les bâtiments que l'on a déjà piochés. Il y a d'autres bâtiments dans notre deck et on peut débloquer de nouveaux types de bâtiments en montant de level grâce à l'XP que l'on va obtenir à notre défaite inéluctable. Il y a déjà certains bâtiments de placés sur la carte, je peux en profiter juste en les raccordant au bâtiment principal de la ville. Donc pour activer celui-ci, il me suffit de construire quelque chose là ou là. Pour celui-ci, il faut poser 3 bâtiments, peu importe le type, on fait le raccord. Et on a un boost de ressources. Vous pouvez voir qu'il y a 4 couleurs. On a le jaune, le rouge, le bleu et le vert. Ça correspond au département du gouvernement et où nos dépenses vont aller. Donc là, on a tout ce qui est administration, tout ce qui est peuple élite. Je me rappelle plus c'est quoi le jaune. Et là, on a l'industriel. Donc vous pouvez voir le budget de chaque département et le coût, hein, donc ce que l'on va dépenser à la fin de la semaine. Poser un bâtiment fait passer une journée. Vous voyez, on peut poser 7 bâtiments avant de devoir payer ce qui est dû. À la fin de la semaine, un événement se déclenche et un événement qui va probablement augmenter les coûts d'un département. Donc il y a des choix à faire, un choix difficile et il faut essayer toujours de maintenir le budget à un bon niveau. Voilà, donc on va voir tout cela. Donc là, je vois qu'il y a ici une étudiante qui veut me parler. Elle va probablement me demander de construire un bâtiment, elle va me donner une quête, genre peut-être construire une université ou autre chose. On va voir. Alors, tous les bâtiments peuvent être construits en groupe pour faire un combo et faire un bâtiment plus grand qui produit plus de ressources. Par exemple, l'usine peut être assemblée en quartier de 2x2 ou 1x4. Donc 2x2. Ou alors je fais une ligne. Ben vous savez quoi? Je vais faire une ligne avec l'industrie ici. Donc je vais poser ça là. Voilà. Et ah bah tiens, l'industrie m'a fait gagner un petit peu d'argent là. Et également côté élite. Et je vais essayer de faire le raccord ici. Alors, ça... Le type d'agencement a un effet spécial. Par exemple, si je fais du 2x2, je vais générer beaucoup de ressources pour le département de la couleur en question. Si je fais une ligne, c'est tous les départements qui gagnent des ressources, mais ils en gagnent beaucoup moins. Hein, voilà. Alors, magasin. Magasin. Est-ce que je te mets là? On va te mettre là. Pam. Comme ça, je vais pouvoir faire une ligne. Ou alors, je peux faire du 2x2. Je pense que je vais faire une ligne au début. On va essayer. Ouais, on va faire une ligne. Hop. Tac. Et on peut voir, à chaque fois, ça me donne un petit peu plus de ressources. Et une journée passe. Le ministère. On a du bleu là-bas. Donc, je peux... faire ça. Ça. Et là, on a une usine. Que je vais mettre... là. Et le ministère. Donc là, pam, raccord fait. Et on a ça. Alors, vous pouvez voir que maintenant, il y a des rails. Les rails ne sont pas encore connectés à la ville, vu que... bah, à cause du placement, ouais. Tu peux, par contre, les connecter à une autre ligne pour connecter ensuite à la ville et tout. Le fait que ça se connecte n'est pas important, c'est juste du visuel. Mais voilà, c'est pour ça que je l'ai fait là au début, j'aime bien le faire. Même si je pense que ça me pénalise pas mal, vu que j'ai très souvent besoin de beaucoup de ressources pour un département particulier. Alors, il y a apparemment... une épidémie, un rhume qui se répand dans la ville. Et les docteurs nous conseillent de faire quelque chose. Voilà. Hein. Donc construire plus d'hôpitaux. Alors je ne sais pas ce que le choix va me... où le choix va me pénaliser. Il faut essayer de deviner. Voilà. Donc construire plus d'hôpitaux, je pense que ça peut avoir un impact sur l'administration. Construire des pharmacies... des compagnies pharmaceuticales hein, ou lancer une quarantaine. Alors on va faire plus d'hôpitaux et je pense que ça a impacté là, on va voir. Donc là, ok. Donc plus de coûts pour les business et plus de coûts de gouvernement. D'accord. Donc maintenant on va fermer. Par contre, ça me débloque cette carte qui va être ajoutée au deck. En fonction des champs, on peut débloquer plus de bâtiments. Et donc là, vous pouvez voir maintenant, je vais perdre 70 par mois en administration. Ah, et ça, c'est les business, d'accord. Et 70
là également, vu que c'est 40-40. Alors j'ai 3, bah tiens, on va aller vers... C'est quoi, je vais déjà... Ok. Ok. On a fait sa quête. Ok. Qu'est-ce qu'elle m'a donné? Elle m'a donné un cadeau. Je sais pas trop ce que c'est. J'ai jamais eu, d'accord. Voilà. Et maintenant... Oh. Alors, j'ai déjà posé ça là. Quoique, je suis plus... On va plutôt y aller en industrie. Voilà, vous pouvez voir, ça a rajouté un petit peu à tout. Alors, c'est quoi cette histoire? Transfert de données validé. Installation du paquet externe, 100%. Connexion. Voilà, hein. Ok. Oula. Oula. D'accord. Bah, bah, très bien, merci pour ça. Bah, on en a besoin pour le business, donc on va pas dire non. Alors, le dernier. Là. Voilà, comme ça. Et maintenant, je vais faire du 2x2. Alors là, ça, c'est un nouveau type. Ça, je crois que c'est un business avec un entrepôt. Ok. Ah, regardez, là, il y a l'apparition de ça. Si je connecte à ça, je peux obtenir une carte supplémentaire. Alors, je peux me mettre là. Mais je sais pas si ces business peuvent fusionner avec ceci. C'est ça qui me gêne. Je sais pas si c'est possible. On va se mettre là et on va essayer. Ou alors, je... Je sais pas si ça compte comme 3. Et genre, alors, soit je le mets là, soit je le mets là. On va plutôt te mettre là parce que là, je suis sûr. Ah non, ça le fait pas. Ah oh, ça compte pas. Ok, alors ça, ok, je m'y attendais pas. Alors, je peux faire plusieurs. Je peux m'y prendre de plusieurs façons. Je peux faire là. Ah, autre semaine. Ok. Alors, nouvel événement. On a reçu une plainte des employés d'une compagnie. Ok. Donc, apparemment, le népotisme, je ne sais plus si c'est le terme français. Vous savez, quand on favorise, par exemple, les membres de sa famille plutôt que les autres employés. Voilà, y a pas mal de soucis là, donc soit on se plaint aux médias, à la presse, soit on menace les ouvriers, ou soit on l'ignore. On va voir ça, j'espère que ça a pas... J'ai peur, vous voyez, de rajouter sur ça en fait, mais on va voir, allez c'est parti. Ok, les dépenses de l'élite, ça va là-bas. Et on a débloqué ces choses. Ok, dont une carte journaliste. Alors toi, je vais te mettre le dernier là, parce que je veux faire cette ligne. Voilà, ça donne un petit peu de ressources partout. Les villes. Allez, ok. 110. Donc là, je vais essayer. Puis on a combien de cartes de magasin là? Là. Et là j'ai pas le choix, je dois faire les magasins. Ah, j'aurais peut-être pas dû, j'aurais peut-être pu. Je sais pas si je pouvais fusionner ça. Et là je vais pas pouvoir. Ah, c'est un parc par contre que j'ai. Parc. Si je te mets là. Celui-là va me bloquer. Ok, alors... Je voudrais réduire les dépenses de l'élite. Ça, c'est gouvernement et élite, c'est pas mal. Parce que là, je suis à moins 70, moins 70.
L'élite et business, ça c'est également pas mal. Mais je suis plus en danger côté gouvernement, donc... Parce que j'ai pas de bol, là, j'ai 15 000 cartes de magasin. Alors, Iris, que se passe-t-il? Oh, okay, on dit que tout va bien. Donc ça, c'est... Ah oui, je vous l'ai pas dit, mais on a une intelligence artificielle qui doit développer la ville. Et l'architecte, c'est celui qui nous a développé. Ah, ok, apparemment on a été hacké, il va régler. Ah, et le hacker bossait pour les business. Ok, donc est-ce que là, ça a changé mes cartes? Ok, plus 50 gouvernements. Ouais, ça je veux. Parce qu'on est léger en points gouvernementaux. Alors. Fin de la semaine. Alors. Des squatteurs se sont installés dans des maisons de luxe pendant que les propriétaires étaient en vacances. Okay. Les propriétaires sont vénères. On arrête ceux qui squattent. On leur donne le droit d'occuper la maison, les maisons. On les laisse se débrouiller. Si je choisis ça, je pense à même augmenter les coûts d'administration. Et moi, je ferais ça. Franchement, les squatteurs, non. Hein. Mais... Je voudrais plutôt essayer de faire une décision qui augmente les dépenses industrielles, vous voyez, pour équilibrer un peu les taux. Et je pense pas que c'est dans mes... Ok, on va choisir ça. Oh, l'élite. 190. Ouh, la défaite est proche là pour... Il me faut des trucs pour l'élite. Il y a quelqu'un à qui parler là-bas, mais je pense pas pouvoir l'atteindre. Ah, ok. Ah, ça c'est. Alors ça c'est intéressant. Certains bâtiments sont plus grands que d'autres et ont des prérequis. Alors je vais le mettre là. Et là il me faut construire. Il faut qu'il soit entouré. Donc il faut deux autres bâtiments. Alors, tac. Et le bâtiment est construit, on a diminué le coût de l'élite et on a obtenu des points qui vont un peu partout. Ok, c'est bon. Je me suis un petit peu forcé à me développer là-bas, mais ok, ça serait pas mal. Ok, si je peux fusionner là, ah, le Mine District. Où est-ce que je peux te mettre? Alors, je pourrais te raccorder là, et ça c'est déjà débloqué. Pam. Et là, moins 180. Mais bon, on peut encore tenir un coup. Alors, niveau 3. D'accord, donc un membre de l'opposition bien connu a publié un film qui fait mal au gouvernement et qui le qui critique pas mal le gouvernement. Que faire? Ok, on se met derrière la publication. On sort une version corrigée. Où on bannit le film. Allez. Ok, ça va là-bas. Et on a débloqué ça aussi. Bon. J'arrive pas à mettre dans l'industriel. Lui là-bas. Ok, on va faire une ligne droite vers lui. Ok. On dit que le système a été hacké. Alors lui, c'est un chef du business. Ok, il dit que je veux que je t'aide à voir quoi. Je ne suis pas un hacker moi-même. Et presque tu demandes cela. Ces décisions ont bénéficié les business. Ouais. Bien entendu, vu qu'ils veulent nous accuser. D'accord, donc ils ont investi pour... Faire penser que c'est le département des business qui est coupable. D'accord, c'est probablement quelqu'un de son groupe, mais qui bosse pour quelqu'un d'autre. Ils vont enquêter. Pour le moment, je peux que te donner de l'argent. Ok. Donc, il veut un centre de protection de l'information. Ok. Ouh, ça. Public block, ça veut dire quoi, ça?
Ah, est-ce que ça va? Wow. Alors, je peux te mettre là. Oh. Ouais, mais moi, c'est ça que je veux, là. Ça et ça. Ah, réduit le coût de l'élite et du public. Je pense pas pouvoir fusionner là. Je peux te mettre ici. Ok. L'usine, ça ne sert à rien pour le moment. Le bloc bleu. Le bloc bleu, je dois le mettre là-haut. Skyscraper, on a déjà fait la fusion là-bas. Je peux te mettre là. Ou je peux te mettre là. Ça change pas grand-chose. Ok, donc là, là on est en danger. Là, c'est peut-être la fin. Alors, un autre événement. Le peuple a porté plainte car il y a apparemment une maison en mauvais état. Elle est trop vieille et elle peut s'écrouler s'il n'y a rien fait. Que devons-nous faire? Ok, je pense que ça va me faire monter les coûts là-haut. Business. Oh, oh. Et public. Ok, ça va là, mais public. Ok, ça c'est business, d'accord, oui. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Mais ça c'est pas bon. Oui, il y a quelqu'un là-bas. Ouais, mais j'ai pas la bonne couleur dans les cartes là. Ok, on peut tenter de parler à l'architecte alors. Ok, ça, ça va être bon. Ça, c'est bon. Maintenant, il faut du vert. Alors, on doit parler. Tu l'as peut-être remarqué, mais les quatre factions ne s'entendent pas vraiment entre elles. Si on continue de bosser sous leur... pour elles, quoi, en gros, on ne va rien atteindre. Et au pire, une d'entre elles pourrait saisir le contrôle complet de la ville. Il n'y aura pas de ville parfaite. Si seulement on avait quelque chose, vous voyez, pour les maîtriser, reprendre le contrôle. Fais attention à ce qu'ils t'offrent, Iris. Même une mauvaise personne peut nous donner une chance de terminer notre rêve. Ok, c'est ça qu'il me faut. Je vais mettre ça... Ah. Voilà, mais c'est pas ce que je voulais. Réduit toutes les dépenses de 5. Faut construire des choses là et là, mais... Bon bah... Ça s'est construit. C'est game over, on est en négatif, ok. Ok, c'est pas grave. Ok, donc c'est un autre échec. Alors, on va passer les logs, c'est pas important. Donc, on a gagné de l'XP. Oh, j'ai pas débloqué de cartes cette fois-ci, vous voyez, là, j'ai pas rempli de barres. C'est pas grave, ça arrive. Et donc là, on démarre avec une autre. Et donc, on doit apprendre de ce que l'on a fait. Et essayer toujours de faire mieux. Alors, là, je vais plutôt que de faire des rails. Voilà. Ça donne plein de ressources. Voilà. Maintenant, toi. Ici. Magasin. Est-ce qu'on a un magasin? Ça. Il y a un magasin là-haut. Alors on a le centre. Ah, et c'est la fin de la semaine. Construire. Allez. Très bien. On a gagné ça. Du coup, toi.
On va prendre de l'industriel. Ok. Ok, on dit qu'on la reconnaît. Donc on sait que après le reset, on se rappelle quand même de lui avoir parlé avant alors que c'est pas normal. Donc on dit, ouais, tu es celle qui nous a demandé de construire l'université. Ok. Alors là, l'architecte nous demande ce que l'on pense d'elle. Leur niveau... Son niveau d'anxiété... De stress, on va dire. Anxiété, ouais. Et à un niveau normal. Quelque chose t'a gêné. C'est une étudiante normale. C'est une étudiante normale. Tu penses vraiment? Ok, il dit peut-être que je suis parano. D'accord, et lui il mentionne le fait que l'on a été hacké juste après lui avoir parlé. Ah ah. Alors. Le parc, je peux faire. Là j'ai été un petit peu rapide, mais. Magasin. Bon, je vais pas pouvoir finir ça là. Voilà. Ok, il y a plein de sans-abri qui ont fini à la rue. On a pas assez d'argent pour tous les abriter. Construire. Ça a probablement me coûté de ça et de ça. Donc, on va dire non. Créer des boulots. Ça a peut-être impacté ça. Allez. Business et public. Ok. Ça va. C'est correct. Voilà. On a deux parcs. Où est-ce que je vais mettre les parcs? Je peux les mettre là. Il faut un dernier bâtiment. Voilà. Ça diminue les coûts, l'usine. Voilà. On a là. Lui, on doit lui parler là-bas. Je sais pas si je peux faire. C'est du 2x2, mais est-ce que je peux faire du 4x4? Je sais pas. Et si je veux. Ah ouais, je vais pas pouvoir le faire à cause de ce bâtiment là. Ah, fin de la semaine 3. Ok, ils veulent construire en gros un hypermarché. Ils ont acheté un quartier pour, mais un vieil homme refuse de quitter sa maison. On le vire. On défend les citoyens. Je pense que si je le vire, ça allait là. Je suis désolé. Oh, j'espérais que ça aille là. Désolé, vieil homme. Ok, alors j'aimerais me développer vers là. Donc là, je vais faire ça. Voilà. On va te mettre ici. Voilà. Maintenant, je voudrais aller là. Alors, le parc, je dois quand même. Ah! Réduit le coût du gouvernement. Je vais te mettre ici. Ah non, ça c'est pas bon. Ok. Ce que je veux, c'est ça en fait.
Voilà, un petit peu plus de points là-dedans. Quatrième semaine. Ok, la robotique, c'est vraiment développé rapidement dans la ville. Un ingénieur de garage a signé des contrats avec des grandes multinationales, on va dire là. Augmenter, les laisser. Un robot et une personne. Ok, je crois que ça a impacté l'élite. Oui, ça impacte l'élite, ouais, ce que je voulais. Et là, ok, on est assez équilibré quand même, c'est juste ce côté-là qui m'inquiète un petit peu. Rien qui est dans les bâtiments spéciaux qui m'intéresse particulièrement. Alors si je me mets là, je vais être bloqué. Parce que ça va faire une ligne de 3 alors que là, ok, on va plutôt aller vers là-bas. Voilà. Maintenant je vais aller là-bas. Mais je voudrais également aller là. Allez. Content de te revoir, Iris. J'ai des nouvelles du hacker. Je check le log du firewall. Apparemment, la personne tente toujours de hacker nos défenses. Mais nos défenses ont réussi à les repousser. Ça ne nous aide pas par contre à obtenir son identité. Le plan est simple. On va te laisser te faire hacker. Pour cela, il faut installer une balise spéciale dans la ville. Et quand un hack est déclenché, on va pouvoir tracer le hack une fois qu'il est lancé. Le problème, c'est que ça prend du temps. Et tu vas devoir obéir au hacker pendant ce temps. Ok. Bon, bah, allons-y. Ok, il faut mettre 4 balises. Ok. Ah, je dois choisir. Ce que l'on veut baisser, c'est le rouge et le jaune. Ben, ça. Il y a l'huile là-bas. Alors j'aimerais bien construire ça, le problème c'est que si je le construis là, il va falloir entourer de bâtiments et c'est une misère. Je voudrais un endroit où il y a peu de place, ben genre là. Ouais, comme ça, il y a juste 3 bâtiments de plus à construire. Voilà. On va tout mettre là pour les forcer à... Ok. Super. Ah, encore un? Ok, celui-là, il va compter que celui-là. Ok, événement. Il y a une fuite dans une usine chimique. Une fuite chimique dans une usine. Certaines zones résidentielles sont dans la zone de l'accident. Le niveau de pollution ne dépasse pas la norme. Évacuer les habitants. Introduire une quarantaine temporaire. Une tragédie veut dire l'opportunité. Alors ça va probablement impacter ça. Ok. Ok. Par contre ça. Ah bon, alors mes parcs. Voilà, les parcs, ça donne de tout. À toutes les factions. Il me faut une maison. Si je me lâche, je trace une ligne. Si je me mets là, je vais plutôt mettre ça là. Ça fait ça, ça m'en donne beaucoup plus ce que j'ai besoin là. Je n'ai pas besoin de donner des ressources aux autres factions, j'ai besoin de monter. Ah, toi. Est-ce que je dois te poser à un endroit particulier? Ah, ah non, juste je dois te poser. Je vais te mettre. Là plutôt. Voilà, ça c'est fait. Ah ok, ça demandait de diminuer les dépenses. Je
là. Mettre là. Ouh. Donc là, je diminue petit à petit ce que je peux. Alors, monsieur Cameron. Iris, ma chère. Alors, c'est monsieur Cameron qui nous parle. Okay. Iris, ma chère, je suis content de te voir. Et j'ai une question très importante. Tu vois, il est temps de... Je sais pas comment dire, to move on, voilà, de passer à la suite. La ville a besoin de stars, nouvelles stars. Je pense que de nouvelles musiques, est-ce que la métropolis demande? Ok, qu'est-ce que tu me proposes? Ok. D'accord, il veut que l'on mette en place du divertissement. Ah, et l'événement. D'accord, donc les corporations placent des panneaux publicitaires un petit peu trop partout, ce qui impacte la vue dans la ville, on va dire, la qualité du voisinage. On peut mettre en place des règles. On laisse tel quel. Retirer ça de la rue. On va mettre des règles. Ouh, ça c'était pas bon, ça a tout augmenté. Ok. Ok, bon. Alors le parc. Le parc va être là. Ça augmente toutes les factions de vin. Un ministère. Ici, faut terminer. C'est vrai que je l'ai pas. On tient une semaine de plus. Et ça devient dangereux. Hein. Alors, il y a beaucoup de sans-emploi. Au chômage. Les gens deviennent pauvres. Et ils ne peuvent pas atteindre leur potentiel. Création de boulot. Oh. Ok. Pour construire ça et ça, il me faut des choses, autour, ce qui m'arrange pas trop. C'est mieux le business, plus 50 de business. Ça c'est bon. Alors, bonjour Iris. J'espère que tu vas. Que ma requête ne te gêne pas. Celle-ci est à propos de l'état de la. Du bas de la ville. Oui, il y a apparemment différents niveaux de ville. Alors, j'ai pas encore eu de bâtiment. Il y a un type de case où c'est. Vous savez, l'endroit pauvre de la ville. Ça, j'en ai pas encore eu, donc je l'ai pas posé. Ok, donc je t'écoute. Est-ce que tu peux construire des parcs? On va faire ça. J'ai pas trop fait les... Ça, mais ok. Alors, à toi. On va te mettre là. Usine. Voilà.
On est bon en vert. C'est les jaunes que j'aimerais bien développer. Voilà, super. Rouge. Ok, nouvel événement. Ok, il y a une grève dans une grande entreprise. Les ouvriers demandent une journée de boulot plus courte. On va virer. Si je fais ça, ça va augmenter les demandes. Je voudrais l'élite. Si je vire l'élite, les chefs. Oh non, c'est empiré. Ok, c'est pas les... Ok, les ringleaders, c'était ceux de la grève parce... Ok, je voulais virer ceux qui bossaient... Ouais, en y pensant, c'était pas logique, mince. D'accord, donc là, c'est le moment de vérité. Je vais te mettre là pour ça. Une banque. Ici. Toi. Là, on a du rouge. Ok, on est bon. Et ça, ça va diminuer les coûts. Voilà. Ok, là c'est la fin. Là, je peux pas récupérer autant. Il me faut de ça, il me faut de ça. Oh là là. Ok. Pour obtenir un certificat, les citoyens doivent passer à travers plusieurs niveaux de bureaucratie. Cette situation les force à donner des pots de vin aux gars du gouvernement pour accélérer la procédure. On légalise ça. On automatise la procédure. On automatise la procédure. De toute façon, à ce niveau-là... Ok. Est-ce que j'ai des parcs que je peux consolider? Ici. Parce qu'un parc, ça donne 20 à tout. Ah. Voilà, 125. Station de police. Où est-ce que je peux te mettre pour avoir le moins de choses à construire? Pas beaucoup. Une autre semaine. Ok, j'y croyais pas. Ok, le piège est en place. Rappelle-toi bien qu'après le hack, tu dois mettre en place prendre des décisions qui vont être bénéfiques au business, donc aux jeunes. Ta tâche est de maintenir le contrôle de la ville même dans cette situation. Bonne chance, Iris. Ok. Ouais, donc chaque essai, on a également une histoire, quelque chose qui se développe. Ça. Oh. Ok. Donc, tous les magasins qui vont dans le deck.
mettre là. Voilà. J'aurais préféré que ça fasse le raccord là. Donc même chose, plainte d'employé, discrimination, népotisme. Voilà, c'est l'élite qui a été pénalisée, ça m'arrange. Bon, alors là il nous faut du bleu, du jaune et du rouge. Encore ? Dis pas que tu me renvoies la même chose ? Oh oh. Ok. Bon ben, je pense que c'est la fin là. Alors, je vais faire un test, voir. Ok. Voir si je peux fusionner ça, est-ce que ça va donner? Ouh, ça a fusionné. Ok, donc on est bon ça. Ouais, mais on va pas être bon au rouge. Hein. Voilà. Et c'est game over. Mais bon, là, avec cette progression... Voilà, même petit dialogue. On n'a plus le budget pour continuer de se développer. Level up, level up, level up, level up. Mais où ? Donc, on a débloqué ça. On démarre avec 25 de chaque ressource en plus. Pas dégueu. À nouveau, 25 en plus. On a un nouveau bâtiment. Ouh, est-ce que ça, c'est quelque chose... Est-ce que c'est tel quel ? Ou est-ce que je peux fusionner 5 industries pour faire l'hôpital ? Et on a ça qui va dans le stock. Étrange, je pensais l'avoir déjà, ça. Et voilà. Donc voilà, on va s'arrêter là. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un jeu que vous pouvez jouer facilement. Chaque partie, au début, chaque partie va durer 5 minutes, 10 minutes, hein, pas plus. Mais plus vous apprenez plus vous améliorez, plus les parties sont longues, plus vous gagnez d'XP, plus vous progressez rapidement et plus vous pouvez faire des choses dingues. On est quand même limité à chaque partie par le type de carte que l'on a débloqué. Mais comme vous pouvez le voir, chacune de ces parties est également rythmée par... une histoire, il y a des quêtes à faire, et bah, vous reprenez où vous êtes arrêté dans les séries suivantes. Ce qui est, je pense, une très bonne idée. Alors, quelques petits problèmes avec le jeu. Je pense surtout à l'optimisation. Alors, je sais pas trop si c'est une question d'optimisation ou quoi, mais le jeu, en tout cas le playtest, est limité à 30 FPS. Vous l'avez peut-être remarqué dans les mouvements de caméra, ils sont pas giga fluides. Ah, je ne sais pas si c'est quelque chose qui... C'est juste chez moi ou si c'est également chez vous, mais il n'y a pas d'option hein, pour augmenter, en tout cas j'ai pas trouvé, pour augmenter le FPS. Et je trouve que c'est pas tellement agréable à 30 FPS, on sent hein, le saccadement et il y a peut-être un petit peu de délai également dans le mouvement de la souris, de la caméra, ce qui n'aide pas tellement. Voilà. En tout cas, je trouve que c'est un jeu sympathique qui mérite le coup d'œil si vous aimez ce type de gameplay. Et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye.